J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon année 2019 qui fut vraiment très pleine de rebondissements, on va dire. Donc, je me suis munie de ma petite tablette parce que j'ai écrit un peu tout ce qui s'était passé cette année 2019. Ouais, rebondissante, hein. Il n'y a que ça comme mot, hein. Donc, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé, que ce soit ma séparation, mon emménagement, mon copain. Mes animaux, mon job, mes études, etc. Il y a vraiment pas mal de choses qui ont changé cette année. Ça fait énormément mûrir. Alors, tout d'abord, on a commencé l'année 2019. J'étais toute seule au nouvel an. Mon ex n'était pas là, ils étaient en mission. J'ai passé un petit nouvel an de merde, on va dire. Tous mes potes étaient partis je ne sais où et moi, je pouvais pas trop partir. Donc, j'ai passé un nouvel an de merde, vraiment. Ensuite, il y a eu mon anniversaire qui fut aussi catastrophique puisque mon ex-conjoint avait complètement zappé mon anniversaire. J'ai donc passé un anniversaire vraiment pourri. Mes 21 ans, franchement, zéro pointé, vraiment. J'étais extrêmement déçue, vraiment très 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 déçue. Donc un nouvel an de merde et un anniversaire de merde, franchement, l'année elle ne faisait que commencer, c'était vraiment génial. Une belle année au top, hein. Ensuite, avec mon ex-conjoint, on voulait adopter un chiot depuis pas mal de temps. Et c'était un grand rêve pour moi d'avoir un berger australien. Donc on a pu adopter un petit chiot qui s'appelait Kina. C'était un berger australien tricolore vraiment magnifique. Je l'aimais beaucoup beaucoup beaucoup. On avait un cadre de vie idéal. On avait une grande forêt à côté, on avait des hectares et des hectares et des hectares de verdure. C'était vraiment génial pour elle, pour qu'elle puisse pas se dépenser, etc. On avait un parc d'agility juste à côté pour qu'elle puisse faire de l'agilité. Franchement, c'était parfait. On avait une situation financière stable, c'était très très bien. Malheureusement, il y a eu des petites complications qui a fait que la vie nous a séparés. J'étais au ski à ce moment-là, je m'étais permis un peu de partir en vacances, mais au final, mes vacances se sont transformées en recherche d'appartement. C'était un vrai calvaire, je ne dormais absolument pas. Je stressais énormément parce que il m'avait laissé un délai de une semaine dès que je rentrais du ski. Donc ça faisait vraiment pas beaucoup pour rechercher un appartement sur Paris surtout. C'est hyper galère. Mais on a pu trouver un appartement ici même très rapidement grâce à une agence. J'ai essayé de faire avec les particuliers, ils me répondaient jamais, mais jamais. Donc j'ai directement contacté une agence. Ça a été fait très rapidement, franchement, au top. J'ai eu beaucoup de chance de trouver cet appartement là qui était très bien situé. Il y avait une grande salle de bain par rapport à tous les appartements que j'ai visités qui étaient vraiment très rikiki, limite tu faisais caca et tu te douches en même temps, c'était pas possible. Il y a une grande cuisine, après il y a un séjour assez spacieux, on peut mettre une mezzanine. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu plus grand maintenant. Mais bon, pour l'instant c'est pas possible, mes garants ne sont pas d'accord. Donc bien évidemment j'ai quitté ma ville qui était Versailles. Donc c'était un peu un déchirement et un soulagement à la fois. Déchirement parce que j'avais tous mes collègues de travail, j'avais mon CDI. Faut pas l'oublier, un CDI c'est hyper dur à avoir. J'avais mon CDI, j'avais mes amis qui étaient là-bas, etc. J'ai dû tous les quitter. Donc c'était vraiment un déchirement pour ça. Et pour retrouver un job sur Paris en un espace de temps très minime, c'était très compliqué. Et c'était un soulagement aussi à côté de ça parce que au moins pour là ma fac, je mettais plus 1h30 à 2h aller, 1h30 à 2h en retour. C'était extrêmement chiant les transports, je vous avoue. C'est horrible les transports, vraiment. Avoir un job à côté, avoir un appartement à entretenir, avoir une double licence et avoir des transports à la con, je fais vous dire que ces quatre facteurs là ont été vraiment très compliqués à gérer. Il faut vraiment une énorme organisation sinon tu t'en sors pas. Au début j'avais visité des petites maisons, des choses comme ça à Palaiseau, mais cette ville je n'ai pas du tout aimé. Je suis passée en voiture avec mon père, j'ai dit papa moi je n'aime pas cette ville, il n'y a pas de commerce à côté pour que je puisse travailler, il n'y a rien du tout pour comme déboucher ici, je vois pas, il n'y a pas de vie, enfin je me sentais pas à l'aise, vraiment pas. Donc on a annulé tous les rendez-vous de l'après-midi, on a visité une maison, je mettais 1h30 à 2h pour aller à ma fac. Mon père il m'a dit Elisa c'est mort, tu arrêtes, tu as birdie, tu vas avoir un travail, il faut que tu te déplaces facilement, que tu sois à côté de Paris. Donc on s'est rapproché de Paris, on est allé à Maison Alfort, on a visité un studio mais il était pas très très bien agencé, enfin c'était un peu compliqué même pour mettre une table, c'était hyper chelou. On a abandonné Maison Alfort, donc on était un peu désespérés parce qu'on ne trouvait pas, on avait annulé toutes nos visites de l'après-midi. Au final, on a trouvé une agence qui avait un bien qui n'était pas encore sur le marché. Mon père a visité le bien, il m'a dit Elisa c'est celui-ci qu'il te faut. Je suis arrivée dans cet appartement, j'ai adoré les baies vitrées, etc. Bien évidemment qu'il y a des inconvénients, je pense que vous l'entendez peut-être un peu, ce sont les gosses, les gamins qui gueulent. Vraiment fatigant, vraiment, quand une personne bosse chez elle quasiment toute la journée, je peux vous dire c'est hyper chiant, et quand il y a beaucoup de vent ça fait énormément de bruit parce que les fenêtres, les baies vitrées sont très très vieilles, donc il faut que le propriétaire les change. Tout le monde le fait en ce moment, ils changent toutes leurs fenêtres parce que c'est des vieilles comme ça et c'est pas du double vitrage, j'ai pas l'impression que ce soit du double vitrage, et ça laisse passer l'air et le bruit des gosses, c'est vraiment horrible. Ensuite donc pour l'appartement, j'avais trouvé l'appartement, l'agence était d'accord, tout le monde était d'accord, donc c'était super génial, etc. Et il y avait aussi cette question de travail, comment j'allais faire pour subvenir à mes besoins parce que j'avais plus de travail, j'avais
quitter mon CDI, je demande à Truffaut de travailler la première fois avec ma chef. Donc j'ai appelé mon responsable, je lui dis écoute, j'ai plus de travail, est-ce que t'as un CDD à me proposer là ou un CDI? Sachant que c'était les périodes de... Enfin, tu sais, il y a des périodes où ils embauchent beaucoup pour... parce qu'il y a beaucoup plus de monde, c'était les périodes de Pâques, etc. Donc il m'a dit ouais, si tu veux, je t'en fais un et tout. Donc dès que j'ai quitté mon travail à Versailles, bah j'ai pu directement enchaîner dans le travail. Donc c'était hôtesse de caisse et d'accueil. Donc j'ai beaucoup apprécié le geste de mon responsable qui était vraiment super gentil avec moi. Donc bah j'ai pu travailler directement, donc c'était un 6h. J'ai fait ça jusqu'au mois de mai, ils devaient me reprendre en CDI juste après le mois de mai. Malheureusement ce n'était pas le cas, ils m'ont dit bah Elisa, on te prend pas, on n'a pas de budget. Donc ils m'ont pris après en juillet août en temps complet parce qu'il y avait beaucoup de gens en temps complet qui étaient partis. Donc j'ai travaillé là-bas en temps complet et j'ai travaillé aussi à Undies. C'était vraiment une catastrophe, Undies, c'était limite, c'était une boîte de nuit dans un magasin. J'ai pas du tout aimé, je suis partie, j'ai dit non je ne veux plus, enfin je veux pas rebosser chez vous. Fallait danser devant les clients, fallait faire la fête, enfin t'es quand même dans un magasin de soutifs. Enfin je sais pas, c'est malaisant déjà de danser devant des clients, de gueuler, de chanter, enfin j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Donc bah j'ai pas réitéré la chose, j'ai préféré donc travailler à Truffaut avec mes collègues que j'aime tant. Et donc bah voilà, j'avais trouvé cet emploi là et à mon boulot bah j'ai pu rencontrer mon grand amour, donc j'étais super contente de pouvoir le revoir, ce garçon, puisque je le connais depuis maintenant 4 ans, cette personne qui partage ma vie actuellement. C'est une personne qui est vraiment très très drôle et on s'est revus. Et au début j'étais un peu gênée parce que je me dis ouais, il m'a pas trop reconnue, j'avais changé tu sais, et en fait il m'avait bien reconnu, enfin il attendait que ça, que je sois célibataire en gros. On a tout de suite accroché et vraiment en l'espace d'une semaine on se parlait tous les soirs jusqu'à 5-6 heures du mat alors qu'il bossait le lendemain. Vraiment un énorme coup de foot pour cette personne là qui embellit mes journées. Et je pense que vous l'avez bien vu sur les vidéos que j'avais toujours le sourire, la banane, alors que je venais juste de me séparer. En l'espace de 3 semaines je me suis remis en couple en fait. C'était assez hallucinant en fait, ce gros coup de foot, ce gros coup de cœur. Donc oui, je suis passée très très vite à autre chose, je me suis repris en main directement après ma séparation. Il y a surtout cet effet de stress et de recherche d'appartement qui m'a fait vachement oublier ma peine à ce moment là et ma colère, parce que c'était vraiment de l'incompréhension tout ce que je vivais. Ça m'a vraiment permis de me requinquer et son arrivée a fait vraiment complètement nexter ma relation passée en fait, et je vois vraiment ce que c'est maintenant l'amour, ce que c'est être aimé, ce que c'est être respecté, ce que c'est d'être belle dans les yeux d'un homme. C'est incroyable ce que je vis, vraiment. Je peux pas décrire tous mes sentiments que j'ai envers lui parce que c'est... Il embellit vraiment ma vie au quotidien. Et en tout cas, merci pour tous vos nombreux messages pour lui. Parce que vous avez toutes dit qu'il était hyper gentil, hyper respectueux, etc. D'autres ont dit qu'il faisait un peu trop le malin, mais c'est juste que vous connaissez pas trop son humour. C'est très 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 second degré, même troisième, quatrième degré. C'est quelqu'un qui prend tout à la rigolade et qui prend tout dans le bon sens, dans la positivité, et c'est vraiment quelqu'un qui me correspond. Donc bah j'ai trouvé le grand amour, on est allé à Disneyland, je crois que c'est le moment le plus important de cette année à Disneyland avec lui. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tu vois d'habitude Disneyland quand t'es avec tes potes ou je sais pas avec ton chéri, tu te fais chier des fois, t'es dans les files d'attente, ou même à Disneyland tu... Voilà, t'en as un peu marre, t'as envie de rentrer un peu chez toi, enfin tu vois. Et au fait avec lui, pas du tout. Enfin, j'ai surkiffé ces moments-là avec lui. J'ai adoré tous les moments partagés avec lui. On s'est vachement rapprochés, on s'est encore plus connectés, je sais pas comment vous dire. Mais en tout cas, c'était un des moments les plus forts de ma vie avec mon copain. Vraiment, c'était incroyable. Pourtant, ce n'est que Disneyland, hein. Ouais, ça m'a fait du bien, c'était vraiment... super bien. Et donc suite à ça, moi je voulais vraiment adopter un chat parce que j'ai jamais pu en avoir un vraiment, parce que mon ex-conjoint n'aimait pas ça. J'en ai parlé avec mon conjoint, je lui ai dit moi je veux adopter un chat, je veux un sacré de Birmanie, je veux un chat. Est-ce que toi ça te tente de prendre un chat avec moi? Il m'a dit mais bien sûr, mais genre fonce, enfin oui, oui je veux, tu vois. Et c'est comme un enfant, tu vois, c'est comme si t'adoptais un enfant, c'est la prunelle de tes yeux, et je peux vous dire, enfin, je vous ai tout raconté dans cette vidéo-là, je vous la mettrai dans le petit i, et je vous ai tout raconté, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous présente mon chat, tout ce qu'on a fait, etc. Mais c'est vraiment un grand pas, au bout de 2-3 mois de relation, je crois, on a adopté un chat, c'est genre... Quand tu sais que t'as confiance dans quelqu'un et que tu sais que si tu adoptes le chat, bah un mois après il va pas te le garder, pas te donner de nouvelles ou je ne sais quoi. J'avais peur de ça aussi, qu'il fasse comme mon ex en fait, qu'il prenne le chat, qu'il me quitte et qu'il garde le chat pour lui et qu'il basta, tu vois, il a eu ce qu'il voulait, hop, next, tu vois. Donc bah pas du tout, hein, c'est pas du tout son style. D'ailleurs, Bichette, t'arrêtes de jouer avec les guirlandes? Donc on a vraiment, voilà, on a adopté un chat, c'était vraiment génial, et c'est un petit prince et je l'aime beaucoup.
Et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en double licence de droit et de sciences politiques à Panthéon-Sorbonne et j'aimais pas du tout cette licence-là, c'était vraiment pas... C'était trop gnangnan, c'était trop nul. Vraiment c'était nul, pour moi c'était pas du tout ce que j'aimais. Donc j'ai quitté ma double licence pour être dans une L1. Ça fait vraiment bizarre d'avoir passé 3 ans en droit et de revenir en L1. Je peux vous dire que moralement c'était... Tu te retournes avec des gamins de 18 ans, entre guillemets, des gamins, hein, on se comprend. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution entre les gens de 17-18 ans et les gens comme moi à 22 ans. Il y a vraiment 4 ans, c'est peut-être rien, mais quand t'es dans cette phase-là, dans cette jeunesse-là, 4 ans, c'est énorme parce que ça te fait énormément évoluer. Et je vois vraiment qu'il y a une différence entre nous, en fait. Moi, je ne suis pas sur Snap en train de me filmer, en train de faire la belle ou je sais quoi. Là-bas, il n'y a que ça quasiment, je suis désolée, mais il n'y a vraiment que ça. Après, il y a des gens super sympas que j'ai rencontrés en amphi, super gentils. Vraiment, il y en a beaucoup aussi dans la licence qui sont... qui n'ont pas encore compris ce que c'est qu'être responsable et mature, malheureusement, mais ça va venir avec le temps. Donc, je suis arrivée en L1 gestion et économie à Panthéon-Sorbonne. Et franchement, je suis épanouie. Je suis très heureuse d'avoir fait cette licence-là, d'avoir été en L1 surtout, et de ne pas avoir regretté de ne pas être en L2 parce que c'est quelque chose que je redoutais, de dire oh putain j'aurais pu être en L2 et tout, c'est chiant et tout, mais pas du tout parce que j'apprends énormément de choses et je ne regrette absolument pas non plus d'avoir fait ma double licence parce qu'elle m'aide au quotidien, que ce soit le droit, dans tout ce qui est démarches juridiques, ça m'aide énormément, dans la licence de gestion ça m'aide énormément aussi, la science politique ça m'aide énormément, tout ce que j'ai appris en science politique, bah là c'est, je le fais en mode fiche de révision dans ma L1 gestion, donc c'est hyper avantageux pour moi. Et vraiment, j'adore. Je vous ferai un petit récap de ce semestre-là bientôt. Cette licence est vraiment géniale. En plus, les profs, ils sont vachement bien. Les chargés de TD aussi. Enfin, vraiment, rien à voir. Au début, ils commençaient à lire un peu leurs diapos, etc. Après, dès qu'il y a eu un peu moins de gens, et ben là, ils ont arrêté de lire leurs textes. Et ils ont commencé à être vraiment des orateurs. Et j'ai beaucoup aimé ces profs-là. Ils sont vraiment très, très bien. Ensuite, mon copain, je dormais souvent chez lui, il dormait souvent chez moi, etc. Après son concours, en fait, il a emménagé chez moi au fur et à mesure, vraiment. Pourtant, c'est lui, il disait, ah non, je vais d'abord vivre tout seul, d'abord faire mes conneries chez moi tout seul, et ensuite on vivra ensemble. Mais au fur et à mesure, il commençait à dormir le soir chez moi, puis tous les soirs, après il rentrait, je sais pas, de temps en temps, etc. Après, on venait chez moi, et après, il a commencé à vouloir installer son bureau chez moi, avec ses ordi. Et donc depuis mi-août, il vit chez moi et on est super heureux d'être ensemble. Donc il participe en fonction de ses moyens aussi parce qu'il a pas beaucoup de moyens. Enfin il est en temps partiel comme moi, moi aussi je suis en temps partiel. Donc on essaye de faire kiff les dépenses, même si c'est moi c'est sûr qui dépense le plus parce que c'est moi qui gagne le plus. On n'arrive pas à se passer l'un de l'autre et c'est vraiment quelque chose de génial. On arrive à vivre ensemble dans un 30 mètres carrés et vraiment notre but ultime c'est vraiment d'emménager dans notre appartement à nous ou dans notre maison. Malheureusement comme je vous dis c'est pas encore le cas, mes garants ne veulent pas. Après tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes, je trouve que depuis que je l'ai rencontré, je suis beaucoup plus épanouie. Et puis ensuite, vous avez eu la catastrophe capillaire, comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont changé, peut-être ceux qui n'ont pas suivi. Voilà, donc il y a un salon de coiffure qui a brûlé mes cheveux en laissant poser une décoloration pendant 2h15, puis 1h15, sachant qu'une décoloration ne se fait pas plus de 45 minutes, donc ça les a complètement cramés. Donc j'ai dû tout couper et ils m'ont provoqué aussi une réaction allergique alors que je leur ai dit de ne pas toucher ma peau avec leurs produits et ils m'ont tout badigeonné le crâne. Donc voilà, c'est assez compliqué et j'entame une procédure contre ce salon comme vous le savez puisqu'ils n'ont pas voulu me parler, ni me voir, ni s'entretenir avec moi pour qu'on puisse régler ça à l'amiable. Ils m'ont dit directement rendez-vous au tribunal, on veut pas vous voir, allez vous faire foutre. Voilà, donc c'est pour ça que j'entame toute cette procédure là. Puis à la fin d'année, il y a eu un très bel événement qui s'est produit, je vous en parlerai début 2020, ça sera ma première vidéo en 2020. Je tenais vraiment à la faire celle-ci parce que c'est vraiment quelque chose qui me rend très heureuse et j'espère que vous le serez aussi. Donc voilà pour cette vidéo, pour toute cette année-là. Je vais vous parler un peu de ce que j'aimerais, mes résolutions. Je vais pas vous dire ouais, je vais faire du sport, je vais manger moins gras, je vais maigrir, je vais machin, je ceci, de cela. Non, c'est des conneries. Moi cette année, ce que je veux, alors déjà premièrement, c'est avoir de beaux cheveux. Je suis désolée, mais c'est un but ultime d'avoir des beaux cheveux, surtout les miens. Ensuite, toujours être en bonne santé, être heureuse, etc. Mais ça, c'est tous les jours, c'est chaque année, c'est comme ça. Je voudrais aussi
cette année réussir ma licence de gestion. C'est vraiment un but. Je veux réussir et avec une mention si possible. On verra ça dans tous les cas. Je vais tout faire pour avoir une bonne mention, une bonne moyenne et surtout valider mon année. Ce serait déjà pas mal. Ensuite, j'aimerais bien me tatouer enfin pour mes 22 ans un lion sur le bras. Je veux vraiment, vraiment me tatouer, mais j'hésite en fait. J'ai peur d'être allergique. J'ai peur de. Tu vois. Et surtout, j'aimerais aussi acheter Final Cut Pro. Ça, j'essaye de mettre de côté chaque mois, mais c'est un peu compliqué, je peux pas encore me le permettre, mais c'est plus de 300 €, c'est un logiciel de montage en fait pour faire des plus jolis montages, parce que moi je fais des montages très basiques, et j'aimerais vraiment beaucoup passer au montage supérieur on va dire, pouvoir vous faire des vidéos un peu plus rigolotes, tu vois. Voilà en gros pour ce que j'aimerais faire cette année. J'espère en tout cas que je vais m'y tenir, j'espère que je vais pas être une flippette pour le tatouage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment elle a été cette année pour vous, vos résolutions, ce que vous voulez faire cette année. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai des anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis très bonne année.